J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci de faire grandir cette chaîne de jour en jour. D'ailleurs, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous venez de vous joindre à la chaîne. Je publie quand même entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale qui, oui, peut concerner naturellement les relations sentimentales, mais pas que. Donc, on peut élargir naturellement aux relations amicales, familiales, collègues de bureau, qu'importe. Donc, on peut quand même aller chercher des messages. On pourrait faire les trois choix d'ailleurs aujourd'hui en autant que vous déterminez quel choix va être. N'oubliez pas que tous les tirages sur la chaîne sont intemporels et à énergie générale, mais pour une guidance privée, je suis, je suis disponible. Vous n'avez qu'à m'écrire à, à l'adresse courriel chez virginie.medium à commercial gmail.com. Je l'ai dit trop vite, vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo, donc tout juste en bas, juste au-dessus de la section des commentaires. Et je vais vous transmettre par courriel, en fait, le descriptif des trois formules que j'offre pour l'instant. Il y aura des changements en automne 2023 sur les... J'ajoute une formule, en fait, là, mais je suis en train de la mettre en place. Bref. Aujourd'hui, on va aller voir quelles, quelles sont ses intentions envers toi. Donc, autrement dit, en fait, cette personne-là, c'est quoi ses intentions de cette personne envers toi? Là, c'est ce qu'on va aller voir, en fait, dans chacun des choix aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut élargir à un ami, un membre de la famille, un ex-conjoint, un conjoint actuel. C'est quoi les intentions de cette personne -là envers toi? C'est la question qu'on va aller se poser. On va développer chacun des choix naturellement avec deux tarots, un oracle, une carte conseil, des charmes de signes astrologiques et de lettres, alouettes et avec plein d'intentions en fait <laughs> et d'intuition. OK, je vous présente tout de suite les trois choix et je vais vous les présenter beaucoup plus proches parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi des charmes. Donc, pour le choix numéro un, on parle d'un hippocampe. Le choix numéro deux d'aujourd'hui, une plume, ben non, pas une plume, une aile plus qu'une plume, une aile, mais celle-ci, je ne sais pas si on voit comme il faut, il y a une fleur au bout. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, une étoile de mer. Meilleure façon de faire votre choix est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et là, la technique pour aller vous ancrer, là, il y en a que c'est de la visualisation, il y en a d'autres, c'est des techniques de respiration. L'important, c'est que au moment où vous allez faire votre choix, vous sentez pas en fait que ça vibre à l'intérieur de vous, vous sentez quand même assez calme, assez posé. Ça, c'est vous dire que vous êtes au bon endroit, en fait, pour faire votre choix par la suite. Parce qu'il n'y a pas de stress, là. On va passer simplement un moment ensemble. Prenez votre café, votre verre de vin, si c'est le cas, puis on va s'y mettre. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. N'oubliez pas, tous les temps sont dans la description de cette vidéo également. À tout de suite! Et consultants qui ont fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait le choix de cet hippocampe et on qu'on va déposer ici et on va aller voir en fait c'est quoi les intentions de cette personne envers toi. Donc qu'importe le type de relation que vous avez avec euh, cette personne, c'est quoi ses intentions à lui ou à elle Réceptivité et vérité. Vérité qui est représentée également par le chakra de la gorge, donc la communication. Euh, être réceptif, à entendre la vérité, être réceptif. Est-ce qu'on vous demande à vous, en fait, d'être réceptif, à entendre la vérité? Ou on lui demande à lui d'être réceptif, d'entendre la vérité? OK. De la réceptivité et de la vérité. Bon, on part déjà bien. Il y a des conflits à quel que vous faites face présentement. C'est des conflits que vous allez pouvoir surmonter. Euh, le set de bâton, on l'aime pas. On n'aimerait même pas avoir de conflits du tout. Là, ça serait idéal. Mais avec le set de bâton, en fait, que ce qu'on vous dit, en fait, c'est que vous vivez des conflits présentement. Mais c'est des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Donc, la première ligne de tarot va nous répondre 8 d'épée. Je me sens pris au piège, Je ne sais pas comment avancer présentement. OK. Première ligne de tarot va nous parler... Je pense que je vais faire une ligne... Euh... Comment ça se passe présentement avec cette personne-là? Puis on va aller voir en réponse avec deuxième ligne. J'aime beaucoup faire une ligne, en fait, pour que vous puissiez vous reconnaître, pour savoir si ce choix est oui ou non. Euh, pour vous, des fois, on trompe sur des choix qui sont assez précis, de manière très surprenante, même en guidance générale. En guidance privée, je suis habituée. En guidance générale, par contre, euh, de voir des choses aussi précises, ça me surprend toujours. Donc, tiens. Comment ça se passe avec cette personne-là? Donc, qu'importe la relation que vous avez avec cette personne-là, ça se passe comment? On évoque une première coupe. OK. Présentement, on, en fait, je vais vous le dire, il n'y a pas 15 000 façons de le dire. On sent un gros sentiment de défaite dans une possible réussite avec cette personne-là, relationnellement parlant, et ce, qu'importe la relation que vous avez avec cette personne. Euh, le 5 d'épée. Donc, de la défaite, pas avoir de solution dans une situation pour pouvoir régler, en fait, ou obtenir cette réussite-là au niveau relationnel avec cette personne-là. Donc, là, la réceptivité et la vérité. J'ai l'impression qu'elle est mieux de prendre un bon déjeuner, cette personne. <laughs> Ça vous a fait sentir, en plus, qu'il n'y avait comme plus aucune chance de réussite avec lui ou avec elle. Elle est mieux de se lever tôt. Prendre un bon déjeuner rempli de protéines. <laughs> Allez, continuons. Comment ça se passe avec cette personne-là C'est une situation qui demande énormément de force et de courage à vous. Donc, qu'importe la situation que vous vivez avec cette personne-là, euh, ben présentement, ça nous demande une bonne dose de courage et de force. Comment ça se passe présentement ça demande beaucoup de force et de courage parce qu'on fait face à de l'immaturité chez l'autre dans une fuite. OK, l'autre agit euh, immature puis il me prend la fuite. Il fuit. Ça ne veut pas dire qu'il y a un départ, hein? Là, vous allez dire, Virginie. Ah! Mais mon Dieu, c'est le bonheur. OK, attendez deux minutes. On va finir d'aller sortir parce que là, les messages affluent. Ça se passe comment que cette personne là présentement Ben pas super. En fait, euh, c'est difficile euh, comme relation. Et là, que vous soyez en communication ou pas, j'ai pas cette, euh, ce message là. J'ai pas cette précision là, je devrais dire. Euh pourquoi? Ben parce que par immaturité, cette personne-là fuit. Et là, fuit quoi? Euh, ben, fuit la relation, aussi simplement que ça. J'ai pas d'autre façon de vous le dire. Trois de deniers, ça signifie quoi? Ça signifie le travail d'équipe, la coopération, la collaboration. S'il si fuit, c'est une coopération ou un travail d'équipe, bon, on est loin, en fait. Euh euh, de la personne euh, mature ou euh, la personne qui va être en relation. Donc, présentement, cette personne-là fuit la relation, ni plus ni moins. Euh, c'est quelqu'un qui se met euh, sur un... Ça sera pas ma montée de lettre cette semaine, j'espère. Euh... <laughs> la moutarde m'a montonné. <laughs> euh, bref, c'est une personne... C'est pas mauvais en soi, là. Euh, mais c'est une personne qui a décidé de penser à sa propre personne, présentement. Puis je pense c'est là, donc... Euh... J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de m'éloigner de toi dans le but, moi, de progresser. Je pense à mon propre bonheur, mon propre nombril. Mais là, ce n'est pas nécessairement négatif parce que souvent, je suis là à vous donner le conseil de vous mettre en priorité. Donc, pourquoi cette personne-là ne le ferait pas? Euh, effectivement, je suis d'accord. Par contre, je crois sincèrement que comme il y a toujours une bonne façon de dire les choses, il y a toujours une bonne façon de faire les choses aussi également. Et là, dans son cas, lui, avec les cartes qui sont sorties, je, je dis lui, passer l'empereur, mais ça peut être une femme en énergie masculine naturellement, faites simplement adapter? Mais je parle euh, de euh, flou, ça, ça vient me chercher un petit peu. En fait, je devrais dire ça comme ça, c'est qu'on parle vraiment que cette personne-là agit comme ça, de cette façon-là, par manque de maturité. Donc, c'est là que ça vient me... Me froisser, euh, quelque peu. c'est quelqu'un qui est prêt de faire face, en fait, soit à une communication claire, soit à vous dire les choses clairement, soit à poser ses limites, préfère fuir la relation ou préfère fuir, anyway, la communication. Euh, c'est une personne avec le 6 d'épée. Donc, quand on nous parle de fuite, de fuite de relation, de fuite de communication, cette personne est-tu vraiment prête à entendre ce que vous avez à lui dire? La réceptivité de la vérité... Ou c'est peut-être à vous qu'on demande êtes-vous réceptif à ce que à, au message que vous allez recevoir? C'est sûr que la fuite est toujours le masque de la blessure de rejet. Puis la plupart des gens, on se dit, euh, pourquoi cette personne fait, fait tout en sorte, en fait, de se faire rejeter? Bien, parce qu'habituellement, ils ont une blessure de rejet. Puis oui, les personnes qui ont une blessure de rejet vont tout mettre en place pour se faire rejeter. Puis après ça, vont euh, reprocher à, aux autres, en fait, tu m'as rejeté. Oui, mais tout a été mis en place pour que je veuille te rejeter. Dans ce cas-là, je pense que cette personne-là est en plein travail et de façon assez ardue ces temps-ci. Euh, pour se placer en position, vous allez avoir envie de le rejeter complètement. Grosse blessure de rejet chez cette personne. Euh, c'est bien beau tout ça, mais ça, c'est la situation telle qu'elle est maintenant. Je me demande bien quelle intention que cette personne-là peut avoir avec vous. J'espère qu'ils vont être très positives, ces intentions. Je vais être honnête. OK. Quelles sont les intentions? de cette personne envers vous? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Quelles sont les intentions de cette personne? On me dit que vous, vous l'aimez. Il y a toujours de l'amour pour cette personne. Et là, attention, je vais faire juste une mini-parenthèse. Euh, non, ça ne va pas des roches, ça ne vous concerne pas, mais... Je vous dirais que ça arrive souvent que lorsqu'on est en colère, lorsqu'on ressent beaucoup de colère pour une personne, ben il y a de l'amour en toute cette colère-là. Hein? Même qu'il le mérite ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Parce que quand on, La personne, on l'aime moins, on est moins attaché. Ça fait moins remonter d'émotions, qu'elle soit positive ou négative. Hein? Ça, c'est peut-être la phrase que je viens de dire. Et... Peut-être certains vont avoir de la discuter à l'entendre, mais il y a beaucoup de colère, en fait. Il y a beaucoup d'amour de votre part. Ça se peut que tout l'amour que vous lui portez se soit transformé en colère à cette personne-là, vers cette personne-là plutôt. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, qu'elle est inexistante. Il a l'intention. Là, je dis il parce que ça fait deux fois qu'on me le présente en masculin. Si c'est une femme, en tant que dans général, soyez indulgent, faites tout simplement transférer, s'il vous plaît. Je vais continuer à dire il parce qu'on ça fait deux fois qu'on me le présente en énergie masculine. Donc, il, a, il a l'intention de prendre une décision. C'est pas général et c'est pas vaste du tout comme réponse. Une chance qu'on va chercher d'autres cartes. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? C'est quoi ses intentions à cette personne envers toi? De couper avec cette peur de te perdre. OK. Quelles sont les intentions de cette personne envers toi? Et faites attention, en fait. Hein, euh, les intentions, ça ne veut pas dire que vous, vous allez les accepter. Là. Des fois, je vois des commentaires. Oui, mais ça ne me tombe pas, moi, qui revienne à la communication, en faites juste pas répondre. On peut être curieux d'aller voir si cette personne va revenir à la communication, mais ça peut nous, ne pas nous tenter, en fait, de euh, communiquer avec cette personne-là. ben écoutez, vous avez euh, le choix. C'est pas pour que cette personne revient à la communication qu'on est obligé d'y parler. Tout simplement. Donc la même chose ici. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui a envie de couper avec cette peur de perdre. Donc, cette personne-là, il a ben, peur de rejet. On vo on, je vous ai parlé d'une quelqu'un qui fuit. Donc, sûrement quelqu'un qui a une blessure de rejet à régler. Euh, ben, cette personne-là, en fait, doit couper avec cette peur de perdre. Donc, cette peur de se faire rejeter qui va également pouvoir. Ben, c'est quelqu'un qui a l'intention de faire ça parce que la décision qu'il veut prendre, il veut se mettre en fait sur une ligne dans laquelle tout va lui réussir avec vous. Naturellement, hein, on a demandé C'est quoi ses intentions envers toi? Là, il va falloir que je me suis... Dit, monsieur là je dis toi, vous, euh, Bref. Euh, prenez de toi, ça vous parle, prenez de vous, ça vous parle. <laughs> Ok, donc euh, ici il y a une décision qui va être prise parce que bon cette personne-là sent là, ça suffit là, il faut que je règle cette peur que j'ai de perdre. Donc vous, euh, toi, <laughs> euh, je vais prendre la décision parce que ben en fait cette relation-là fonctionne. J'ai plus envie qu'on se fasse mal, j'ai plus envie en fait euh, qu'on se blesse, j'ai envie qu'on évolue ensemble. Donc les intentions de cette personne-là sont assez pures. Par contre. Hey, ça. Par contre, j'ai pas l'impression que ça va être généralisé en fait comme prédiction celle-ci parce que je sens que des gens ici, la personne pour laquelle vous interrogez les cartes, pas vous, consultant, ou consultante, hein, mais ce chemin-là qu'il y a à faire, là, ces deux cartes-là, il est très bien intentionné, mais ce qui va être en mesure de le mettre en place, c'est là que je me questionne. Certains vont être capables de le mettre en place d'une façon assez rapide dans le temps. Pour d'autres, par contre, j'ai l'impression que ça demande un petit peu plus de travail. Je sens des blessures de rejet assez, assez profondes. Habituellement, on en a tous une petite hein, blessure de rejet là. On se le rappelle. Euh, C'est d'ailleurs une des premières blessures qui va apparaître dans votre parcours de vie. Donc, on a tous environ une blessure de rejet à l'intérieur de nous. Euh, dans le cas de ce tirage-là, je voudrais que la blessure est assez ancrée. Ça devrait être euh, pour vous, en fait, donc pour cette personne-là pour laquelle vous interrogez les cartes, une blessure qui devrait être prédominante le, comparativement aux autres, en fait. Donc c'est pour là que je ne suis pas sûre. Pas que je m'en doute mes cartes, mais donc, en énergie générale, ça me rend un petit peu moins sûre que tous vont être en mesure de faire ce travail-là. Je vous le souhaite, par contre. Mais ben, en fait, je ne vous le souhaite pas à vous. Je le souhaite premièrement à cette personne-là parce que... Parce que oui, ça blesse. Ça vous a blessé, ce type de comportement-là. J'en suis certaine. Par contre, euh, ça le blesse aussi. Puis lui, imaginez, c'est lui-même qui se l'impose. Il est en carrette, là. À moins d'être masochiste. Là. OK. Alors, on va y aller avec un oracle. Mais en fait, j'utilise aussi euh, le Chosen Tarot. Donc, c'est un tarot, mais je l'aime bien l'utiliser en oracle, moi. Donc, on va aller chercher celui-ci. Puis on va chercher c'est quoi euh, ses intentions envers toi? On va sortir un huit cartes. L'harmonie après le silence. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ferait un beau petit traitement de silence? Puis quand j'ai un beau petit traitement, attendez énormément l'ironie dans cette phrase-là, s'il vous plaît. Euh, cherche l'harmonie après le silence ok ouais mais c'est sûr qu'un silence ah peut-être là à la réceptivité à entendre la vérité ouais cherche l'harmonie après une période de silence ça dépend comment elle est mise en place cette période de silence là ça vient ensuite une discussion claire donc j'ai plus envie de te parler moi non plus puis on quitte chacun notre côté c'est clair je pense que c'est moins nocif que hey salut comment tu vas message lu pas de réponse deux jours plus tard pas de réponse une semaine plus tard pas de réponse et un mois plus tard euh, Là, on Puis là, ça peut arriver avant. Là. Puis là, whoops, on envoie un autre message. Hé, hey, tu ne me réponds pas, pas de message, mais c'est lui, hein, mais pas de message. Donc on sait au moins qu'il est vivant ou qu'elle est vivante, mais pas de nouvelles. Puis là, dans ce cas-là, je pense que le traitement de silence, là, je pense même que si lui ferait son cheminement, je pense que c'est de votre côté, ça fonctionnera pas. Il y raison. Je pense que c'est une des plus grosses trahisons, en fait, que je... Qui est fréquente euh, dans nos années présente, euh, c'est incroyable. Bref, traitement de silence. Mm -mm. L'avarice et la totalité. L'avarice qui me fait penser aux quêtes de deniers. Hein, donc, euh, il garde ses deniers, l'avare également garde son trésor. Mais là, envie de se. Euh, de se lâcher, en fait, complètement avec vous. Envie, en fait, que cette peur euh, le quitte pour finalement être totalement avec vous, complètement, sans crainte, sans restriction. C'est super beau. Pour ceux et celles, en fait, qui vont vivre la transformation de cette personne-là, le retour va être assez incroyable. Par contre, là, tout se joue dans votre intuition à vous. Par contre, si vous réalisez que cette personne-là a fait pas de cheminement, on n'est pas dans hein, vouloir être euh, à vous demander d'être réceptif d'entendre la vérité, de se mettre à table, d'avoir une discussion entre adultes. Si c'est pas le cas, vous allez savoir que cette personne-là n'a pas fait ce cheminement-là. Et tant qu'à moi-même, si c'est un retour à genoux, à genoux dans les cailloux là, ça fait mal. Là, hein, ben moi, je demanderais quand même à ce que cette personne-là est s'améliorer parce que vous allez vivre une répétition de schéma. Et vous ne voulez pas ça. Personne veut ça. Aussi ardemment que vous allez souhaiter le retour d'une personne, vous ne voulez pas que la personne revienne pour éventuellement requitter de la même façon qu'elle est partie la dernière fois. Pas ben non. Hein? Sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? L'innocence et le stress. On n'est pas rendu là à l'harmonie. Hein? Ses intentions sont bien pures à cette personne-là, mais il y a vraiment un cheminement qui doit être fait. Sur le silence. Hum. La politique. Ouais. J'aime mieux le silence que d'affronter. J'aime mieux, si mieux me cacher sous le silence que d'être obligé de dire ce que j'ai fait ou d'être obligé d'avouer que j'ai mal agi, euh, que j'ai mal parlé. Euh. Je préfère me cacher derrière le silence. Le silence est un excellent moyen de fuite. Euh, naturellement, on, on met en silence, on ne règle pas rien. Hein. Euh c'est fait euh, par, ben écoutez, vous voyez le personnage là avec la carte, la politique. Je vais vous l'approcher, ça vaut la peine. Premièrement, il y a un serpent. Hein, le serpent qui va nous rappeler la trahison. Puis regardez, en fait, le masque tout heureux. Mais regardez le visage, en fait, du politicien derrière. Ça vous donne une bonne idée pourquoi que le silence est émis. Puis euh, bon, j'avais raison de sentir que cette personne-là, elle a besoin de grandir, en fait. Hein. On est à projeter la faute sur l'autre, beaucoup plus que de reconnaître ses propres erreurs. Moi, j'ai toujours un respect. Si quelqu'un me blesse par ses paroles, par ses gestes, j'ai toujours plus un respect pour quelqu'un qui va être en mesure de le reconnaître. Le pardon va être facilement faisable pour quelqu'un qui reconnaît son erreur, mais quelqu'un qui tente en fait de se cacher pas en mesure de reconnaître ses erreurs. J'ai un petit peu plus de difficulté à obtenir un respect. Euh, J'essaie de ne pas juger. Je me dis que la personne n'est tout simplement pas rendue à cette étape-là dans sa vie. Par contre, euh, j'ai plus de difficulté à pardonner, là, naturellement. OK, sur la varice, donc surtout vouloir garder, avoir peur de perdre. Hein. La guérison, donc, OK, certaines personnes, ça nous confirme, certaines personnes guériront ce problème-là. Et sur la totalité, le partage, la percée et le partage. Donc, euh, on va se rendre. Puis euh, nous sommes le monde. Écoutez. Ceux et celles qui vivront que cette personne-là se transforme, vous le sentez, vous le voyez, vous dites ok la personne fait vraiment des efforts, elle vient s'excuser, qu'importe elle agit en, puis vous constatez pour cette personne-là, moi qui la connais, je vois que cette personne-là fait des efforts, elle est à fond, ça, le changement va être merveilleux, vous allez vivre une relation très très saine avec cette personne-là. Par contre, et là là c'est vraiment par contre c'est rare que je vois en fait qu'on pourrait jouer sur euh, T'sais, elle revient, elle ne revient pas. Ça dépend des gens, mais bon. Euh, dans ce cas-là, ça dépend. Ça, tout est dans le. En fait, la balle est dans le côté. Cette personne-là est remplie de bonnes intentions. Maintenant, il suffit de, lui, de les mettre en place. Mais ceux et celles, en fait, qui vont constater qu'il n'y a pas eu de changement de fait, euh, moi, j'éviterai. Je pas, peut-être, pendant les dix prochaines années, mais j'éviterai. J'éviterai hein, d'accepter un retour ou quoi que ce soit. Fait amende honorable. Surtout après une période de silence, Fais amende honorable. Alors, reviens pas les bras, les bras vides, reviens les bras pleins. J'ai besoin d'avoir au moins un... Je suis désolée. Je suis désolée tout simplement de t'avoir laissé dans le silence. C'est irrespectueux. Surtout quand on n'a rien fait. Il y a certaines personnes, je vais être honnête avec vous, qui mériteraient juste le silence. Puis des fois, c'est la seule façon. On a assez d'être clair avec la personne. La personne ne l'a pas compris. Ou on le sait qu'elle ne nous écoutera pas et qu'elle comprendra pas, ben là, ça se peut que je laisse une personne tout simplement lui dire Bien, Écoute, tu, je pense que tu comprends pas mon point de vue, on ne se parlera pas à partir de maintenant. Mais c'est tout. Moi, des messages lus, si je prends la peine de lire un message, même si je ne suis pas intéressé à parler avec cette personne-là, je vais lui répondre. C'est un minimum. Là, je parle pas quand vous m'écrivez, là. Ou quand je, vous m'écrivez dans les commentaires, je parle dans ma vie personnelle. On va aller chercher un, une carte conseil. Qu'est-ce qu'on a eu concernant cette personne? Reste sur tes positions. Ben, en fait, c'est hold your vision. Pour moi, par contre, ça ne veut dire reste sur tes positions. Puis reste sur tes positions, c'est s'il n'y a pas eu de changement, bien, de dire à cette personne-là, va faire tes devoirs. Là, ça semble un petit peu bête, là. Je vais la dire comme ça, puis on va l'arrondir ensemble, vous et moi, OK? Va faire tes devoirs, puis quand tu auras appris, quand tu seras une, dans une voie de devenir une meilleure version de toi-même, tu viendras me voir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'immaturité, en fait, chez cette personne-là. Et rappelez-vous, l'immaturité n'est pas une question d'âge, Jamais hein, Poulet. Il y en a à tout âge qu'on peut trouver quelqu'un de 17 ans super mature. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour ce beau phénomène et vous. Bon, bon, bon. Donnez-moi un petit instant. J'ai échappé un charme. Il est où? Oh, misère! tu me rends pas la tâche facile. OK. Et c'est une lettre. <laughs> OK, on commence tout de suite avec les signes. Naturellement, vous avez posé la question en ayant une personne en tête. Vous avez choisi votre choix, en fait, plutôt en ayant une personne en tête. Donc, naturellement, son signe, votre signe, son ascendant, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille peuvent être retrouvés. Ok, on débute tout de suite avec les signes astrologiques. Donc Cancer trois fois, Capricorne trois fois aussi, Sagittaire deux fois, Lion une fois, Poisson deux fois, Bélier une fois. Nous avons le signe du Taureau à deux reprises aussi également. Pour les lettres, nous avons la lettre D O V R U X C et finalement la lettre S. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro un pour aujourd'hui. Chouette que, à la fin, en fait, là, en bout de ligne, la plupart d'entre vous qui l'avez écouté, puis ça vous parle, surtout la première ligne, ben je souhaite que, pour cette personne-là, le cheminement se fasse généralement plus que la personne qui ne prendra pas son courage à deux mains. C'est pas une vie, vivre comme ça, mais en même temps, ça ne vous appartient pas à vous. Hein? Ça, il faut se le rappeler. On peut être là pour épauler quelqu'un, mais aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider, on peut pas le faire à sa place. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette aile avec cette fleur en fait. On va la déposer ici et on va aller voir les intentions de cette personne envers toi. Donc, qu'importe le type de relation, n'oubliez pas qu'on est en énergie générale, prendre ce qui vous concerne. Hein. Euh, donc, la première carte, on a l'acceptation. Donc, cette personne aimerait, aimerait en fait que vous acceptiez quelque chose ou tout simplement euh, elle veut mettre en place en fait ou elle va accepter quelque chose de votre part. Soit qu'elle vous demande d'accepter quelque chose ou qu'elle va accepter quelque chose de votre part. OK, je vais faire comme j'ai fait pour le choix numéro 1, en fait, et avec euh, le premier tarot, on va aller voir comment ça se passe avec cette personne présentement. Pourquoi je me demande ça, en fait? Bien tout simplement pour que vous puissiez vous reconnaître. Si vous. La première ligne de tarot ne vous parle pas du tout, ce serait très surprenant que la deuxième ligne vous parle, naturellement. OK, qu'est-ce qu'on a eu comme première carte? Un nouveau départ. Un nouveau départ avec cette personne? C'est une nouvelle personne qu'on connaît? OK, on va aller voir plus loin. Comment ça se passe avec cette personne-là présentement? Ça se passe pas bien. Euh, pourquoi je dis ça? Bien, 5 de bâton. 5 euh, de bâton. Roi de bâton. Donc, avec le roi de bâton, en fait, ce qu'on me parle, c'est d'une énergie masculine. Naturellement, une énergie je ne veut pas dire nécessairement un genre, un sexe. Mais une énergie masculine, un roi de bâton, on parle du père de famille. Cette personne ne peut ne pas être père de famille, mais ça veut dire qu'elle a toutes les qualités requises pour être un père de famille. Euh, c'est un bon confident, un bon ami, quelqu'un en fait de bons conseils ou c'est également quand même quelqu'un avec une, une autorité assez certaine. Bref, cette personne avec. Sûrement la personne avec laquelle. Vous, pourquoi vous interrogez les cartes. Il y a un sentiment de 5 de denier. Donc, ça se passe pas vraiment bien, parce que 5 de denier, c'est perte, faillite, ruine. On s'entend que c'est pas Jojo -jo comme, comme euh, énergie. Hein. Quelles sont ses intentions envers toi? Cette de bâton. Passer par-dessus. Ben, comment ça se passe présentement? On, on vit des conflits. Des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Dans cette période de solitude relationnel. OK. OK. Présentement, on a des conflits, mais des conflits qu'on sait qu'on va pouvoir traverser. Il y a une période de solitude, d'isolement au niveau relationnel. Donc, je pense soit il y a deux options. Quand on parle d'une période d'isolement euh, relationnel, soit que présentement, on n'est plus en communication du tout, on n'est plus en relation ou que la relation... Euh, mais on en dispute, donc euh, c'est très froid entre vous deux. Euh, il y a du communication euh, peut-être, mais c'est obligé. Euh, euh, donc, on évite, je vous donne un exemple, euh, on, par, on demanderait la question pour un collègue de travail, mais ces temps-ci, au, au, au boulot, en fait, euh, ben, il est arrivé une dispute avec ce, cette personne-là. Puis, ben, quand on se voit, on se dit bonjour, mais de. simplement pour être gentil, gentil, en fait, hein, euh, mais sans plus. Donc, on serait une période d'isolement relationnel tout de même, même s'il y a communication, mais je pense qu'on est plus sans, sans communication et sans relation du tout. Euh, on dit qu'il y a une évolution qui doit être faite parce que présentement, on a besoin de prendre cette pause-là. Cette pause que vous ressentez au point de vue relationnel avec cette personne-là, présentement, elle est requise, en fait. C'est quelque chose qui... Euh Bien, même si ce pas quelque chose qu'on trouve agréable, je vous dirais que c'est quelque chose en fait qui doit être présentement. C'est requis. Requis pourquoi? Bien, parce qu'on a une peur pour en fait enlever cette peur de perdre, peur de perdre l'autre. Euh, parfois par peur de perdre, on n'agira on, on pas nécessairement comme qu'on aurait eu envie d'agir, mais plutôt pour ne pas perdre l'autre personne. Accepter que la situation peut-être serait ainsi pendant un certain temps. J'espère que c'est pas ça. On va aller voir avec euh, le deuxième tarot. On va aller voir ses intentions. Ça va me permettre, en fait, de comprendre un peu mieux euh, avec la situation que vous vivez présentement, où on s'en va, en fait. Quelles sont les intentions, ses intentions envers toi? Donc, c'est quoi les intentions de cette personne-là? Hein, Lorsqu'elle pense à vous. Pense à toi. Je portais à vous voyez en fait là <laughs> toujours parce que on m'a élevé comme ça, élevé ici hein. Donc euh, je trouve que ça fait plus poli, mais je sais très bien également que le tutoiement est accepté. D'ailleurs, euh, si vous m'écrivez par courriel, là, souvent je me fais dire excuse-moi, je te tutoie. Soyez pas soyez pas euh, gêné hein? Je vous vois euh, d'emblée. OK. Alors, allons voir tout de suite. OK. Roi de bâton revient. Donc, c'est vraiment l'énergie de votre personne. Hein, la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui, on est vraiment dans une énergie de droit de bâton. Ça fait deux fois qu'on me la sort. Euh, semble être plus un homme qu'une femme. Par contre, ça n'exclut pas le fait que ça pourrait être une femme. On est en énergie générale. Par contre, je pense que la plupart d'entre vous demandent la question ou a, a pris ce choix-là concernant un homme. Euh, on a quelqu'un qui se met en mode attente. Là, euh, euh, <laughs> j'espère qu'on va avoir plus d'intentions que je m'assois et j'attends que tu agisses. Malgré que ça pourrait ressortir, hein, ça serait frustrant comme réponse, j'en conviens, mais ça fait partie des probabilités. Vous le savez, je vais vous le dire si ça arrive. Là, on voit déjà de l'attente de cette personne-là. Ça ne me surprendrait pas qu'on ait ce type de réponse-là, mais on va souhaiter un changement. Je me dis, c'est correct que tu pendant un certain temps, mais éventuellement, euh, tu vas-tu agir? Ah! Une, une avancée vers un engagement. OK. Bon, mais ben, il, est il t'en attendent pour l'instant. Pourquoi se mettre en attente? Je me dis que la vie est tellement courte. Roi de coupe, donc on change du roi de bâton au roi de coupe, quand même deux rois énergie positive, hein? euh, mais le roi de coupe est un peu plus à l'écoute de ce qu'il ressent au point de vue émotif, sentimental, ben, les intentions sont bonnes, oh, ben là je suis surprise, ok. Ah ben là ça se complète super bien. Choix numéro 2, c'est merveilleux. J'espère juste que c'est une intention. Hein. J'espère juste que cette personne-là va se faire un bonheur et un plaisir de tout mettre ça en place pour vous. On a une avancée vers un engagement, un engagement beaucoup plus en fait. Euh, J'entends à l'écoute de nos émotions, euh, beaucoup plus amoureux. Est-ce que ça se peut Ça se peut. Euh, si c'est un ami ou un membre de la famille, ben avec beaucoup plus d'amour à l'intérieur de votre relation. Euh, L'amour c'est pas juste réservé aux relations de couple. Naturellement, on le sait tous. Hein. On dit euh, cette personne-là en fait a l'intention d'être une personne changée ou de changer au maximum que la relation soit changée dans le but en fait que vous puissiez obtenir le maximum de cette relation là qu'importe la nature de celle-ci. Puis quand je dis le maximum de cette relation là, j'entends l'idéal de cette relation là entre vous deux. Pourquoi Ben en fait de disque de coupe, la réalisation de notre compte de fées et en d'autres decks. On nous a ajouté une œuvre de coupe, la réalisation de nos souhaits du cœur. Écoutez, on n'est pas loin de l'idéal. Est-ce que ça existe, une relation parfaite à 100%? Je ne le crois pas. Je pense qu'on ne l'est tous pas. On est tous des imparfaits. Euh, on est tous parfaits dans nos imperfections, mais on est tous des imparfaits, en fait. Hein? Euh, donc, euh, par conséquent, je pense que c'est la perfection, en fait, le maximum, l'idéal que vous pouvez obtenir dans cette relation-là avec cette personne-là. Les intentions, y sont par contre, les intentions sont très pures. Maintenant, il suffit juste de les mettre en place. Où est l'acceptation dans tout ça? Accepter que c'était une période à vivre, accepter que cette période de repos et de recul, de retrait entre vous deux était requise pour atteindre après ça ce, cet idéal-là entre vous deux. Malheureusement, ça arrive. Hein. je fais J'accompagne je, je euh, certaines personnes avec euh, les tarots, les guidances en utilisant euh, les guidances privées, en fait. Euh, Puis souvent, malheureusement, euh, c'est quand on perd l'autre qu'on réalise souvent à quel point on tient à l'autre. Puis en même temps, je me dis on t'es-tu vraiment obligé de passer à travers ce chemin-là? Ça donne quelque chose d'aussi idéal par la suite. Ben, je pense que ça va avoir valu la peine, mais c'est plutôt au niveau euh, de la blessure que ça cause tout ça que. Euh, je pense qu'on pourrait tous s'en passer. Bref. On va aller chercher aujourd'hui le Chosen Tarot. Je sais bien que c'est un tarot, mais j'aime bien l'utiliser comme un oracle. Et on va aller voir un huit cartes, en fait, pour aller voir c'est quoi les intentions de cette personne ou avoir plus de détails, tout simplement. Je vais laisser l'oreille parler. le succès. Donc, on est vraiment dans le 10 de coupe. Euh, le succès, l'amitié, la relation, ça ne veut pas dire euh, une relation simplement amicale. Donnez-moi hein? un petit instant. OK. Voir plus grand avec au-delà de l'illusion. Le succès relationnel, ça c'est tout de suite ça. Puis euh, au-delà de ce qu'on a vu, puis guérir ensemble. C'est sûr que c'est toujours plus compliqué de euh, réparer une relation qui a été brisée. Ça demande plus d'investissement des deux personnes impliquées que de commencer une nouvelle relation avec une personne. Parce que quand on commence un début, ben c'est sûr qu'il y a peut-être un travail sur la confiance en l'autre à faire grandir. Par contre. Ça reste qu'il n'y a rien à réparer avant de débuter la relation. Donc, c'est souvent un petit peu plus facile. Par contre, quand les deux personnes veulent, bien, rien n'exclut de réparer une relation, mais il faut que je pense que les deux veulent. On dit ici un succès, donc réparer la relation entre vous deux et de dépasser, en fait, euh, la première vision, donc de voir plus grand pour votre relation. Et on parle d'une guérison également au niveau relationnel entre vous deux. Sur le succès, l'instant présent on parle d'un nouveau départ. Ça va être quelque chose qui va arriver quand même assez prochainement. Pour ceux et celles à qui cette personne-là mettra en place tout ça, là, ça va arriver quand même prochainement. On parle d'amitié, on parle de la créativité, beaucoup d'amour encore une fois puisqu'on parle de l'impératrice. Au-delà des illusions, on parle de la banalité, de voir le bonheur où il ne semble pas être, d'être plus la gratitude. Mais si on répare une relation, habituellement on on voit encore plus les qualités chez l'autre parce que c'est ce qui nous a manqué pendant que l'autre n'était pas présent. Euh, donc souvent on va être même euh, en joie face aux banalités chez l'autre, en fait. Quelque chose pour la part du monde, on va dire, c'est banal, mais pour nous, ça va être tellement parce que cette partie-là de cette personne nous a manqué, en fait. Quand il y a eu un manque, c'est là, je pense qu'on apprend l'appréciation. La, la guérison ben, versus l'attachement au passé, donc la guérison, de, en fait, moi j'entends la guérison. Des erreurs du passé, des disputes du passé, et on parle de maturité, donc une relation beaucoup plus mature par la suite. Euh, oui, c'est lui, hein, qu'on avait de l'immaturité ici. mais ben, c'est ça. La maturité va venir. J'ai l'impression, là, parce que là, ça, on parle de nos intentions, puis puisque la, la question du tarot est ainsi formulée, bien là, par la suite, ça, c'est des intentions. Est-ce que cette personne-là va les mettre en place? Dans votre cas, à vous. Je sens que la plupart, ça va être mis en place. Hein. Je sens que cette personne-là, elle a les bonnes intentions au bon endroit. Puis elle a aussi ce petit plus que je sens de vouloir le mettre en place. Donc, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, ça va être mis en place, en fait, au cours des prochaines semaines, maximum prochains mois. Là, ça demande toujours euh, un petit peu de courage, hein? Okay, on va aller chercher une carte conseil. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Et je pense que dans votre cas à vous, cette carte a une large euh, prix, signification parce qu'on nous parle de guérir l'attachement au passé, puis on vous dit de ne pas laisser le passé être garant de votre avenir. Autrement dit. Quand il va y avoir réparation de cette relation-là, ce qu'on vous annonce présentement, c'est qu'en fait, ça ne ressemblera pas à ce que ça leur ressemblait dans le passé. Et ça va être vraiment une nouvelle relation. Même si on reconnaît la personne, ben on va être vraiment avec une nouvelle personne, une nouvelle relation, parce que vous aussi, vous avez changé pendant cette période-là, en fait, de recul, de repos, de pause entre vous deux. On va aller maintenant chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, lorsque vous avez fait votre choix aujourd'hui, vous avez pensé une personne. Donc, ça peut être son signe, votre signe, son ascendant, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On débute aujourd'hui avec le taureau. Poisson, bélier, verso, bélier une deuxième fois. Sagittaire. Vierge. Et finalement, le taureau pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le R, le T deux fois, le I, le U deux fois, le L, le X, le O, le G, le J, le P, le Z, le W et finalement la lettre E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro deux pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère que ça vous a parlé. Car quand même, on fait face à quelqu'un qui n'a peut-être pas eu seulement des bons coups dans le passé, mais qui s'organise, en fait, pour que l'avenir soit plus beau, plus reposé. En tout cas, les intentions sont là et les intentions pour le choix numéro 2, je les sens très, très pures. Donc, garant quand même d'espoir ici. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette étoile de mer qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait quelles sont ses intentions envers toi. Donc, qu'importe la relation, je vous rappelle que tous les tirages sur la chaîne sont d'énergie générale. On prend ce qui vibre en vous, on laisse ce qui nous parle moins et elles sont également intemporels. Donc, présentement, quelles sont ses intentions envers toi? Première carte, clarification. Donc quelque chose de beaucoup plus clair il doit peut-être des réponses des, plutôt des questions laissées sans réponse donc peut-être que l'intention en fait de clarifier tout ça c'est très vague simplement une carte on va aller chercher d'autres cartes la première ligne de tarot d'aujourd'hui en fait nous donnera la situation telle qu'elle est vécue avec cette personne là présentement donc ça ressemble à quoi comme relation avec cette personne présentement c'est la première ligne en fait va vous servir à vous reconnaître ou pas euh, dans, vous allez savoir en fait avant qu'on ait répondu à la question, c'est quoi ses intentions, si ce tirage est pour vous ou pas. Un repos, un recul avant une transformation. OK, donc on peut être en pause relationnelle avec cette personne-là présentement ou on, on a besoin d'un repos, on sent qu'on a besoin d'un repos avant de mettre en place en fait une transformation. Avec, dans la relation avec cette personne. Force et courage au niveau relationnel. C'est de coupe euh, lien d'âme, nostalgie, ça peut être un ou l'autre hein. Six de bâton, réussite, succès, victoire. Nous avons la justice, équilibre, peut-être au point de vue intérieur comme au point de vue légal, mais on va aller voir plus loin. Je vous donne juste en bref euh, les significations. Roi de bâton, énergie masculine pourrait être également une énergie, une femme, mais en énergie masculine. Et on nous parle de la tempérance, la tempérance qui est le temps. Comment ça se passe avec cette personne-là C'est quoi la relation que cette personne-là présentement Et les cartes en fait sorties devraient vous aider à reconnaître si vous êtes oui ou non dans un choix qui vous concerne, qui concerne au moins cette personne-là. Bref, beaucoup de force et courage dans un lien d'âme. Ça peut être vous êtes, vous, vous savez, on n'est pas en train de confirmer un lien d'âme ici. Vous devez vous savoir en lien d'âme euh, où il y a beaucoup de nostalgie. C'est donc ça veut dire que ça fait quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Mais présentement notre relation nous demande énormément de force et de courage. Pourquoi? Bien pour atteindre cette réussite-là. La réussite va passer automatiquement dans votre tête à vous, présentement par un rééquilibre chez cette personne-là. Donc, on doit retrouver notre équilibre, on doit se sentir équilibré, on doit sentir en fait que notre yin et notre yang sont en ligne, c'est équilibre. Euh, pour que ça puisse fonctionner avec cette personne-là. Euh, on me dit que ça va demander du temps. Puis je pense que si on me dit ça, c'est parce que vous le savez que ça va demander du temps, que ça ne sera pas quelque chose qui va se régler demain matin. De toute façon, on ne peut pas demander à quelqu'un de retrouver son équilibre en quelques jours, quelques semaines. Si ça prend des semaines, ça peut même prendre des mois. Sinon, des années. Dans certains cas, pis là, ça, pas pour être décourageant. Ça dépend toujours à la vitesse à laquelle cette personne-là va décider de travailler sur elle-même. Donc, force et courage dans ce lien-là présentement. Euh, Je ne vois pas si vous êtes en séparation, en communication, pas en communication. On ne me donne pas ces détails-là, mais on me dit que présentement, votre relation avec cette personne vous demande énormément de force et de courage. Si pour vous, ça ne vous parle pas les liens d'âme, c'est plus la nostalgie. Quand je parle de longueur de relation, euh, je parle d'un minimum de 5 à 7 ans. Et euh, par la suite, là, je ne parle pas qu'un minimum de relation tout, mais là, on parle de la nostalgie. Donc, ça doit, on doit avoir quand même un passé que cette personne-là. Si vous me dites, ça fait trois semaines que je connais cette personne-là. Je ne pense pas qu'on est arrivé sur le bon choix. Par la suite, on nous parle sur le 6 de bâton, donc ça nous demande du courage pour atteindre la perfection dans cette relation-là. La perfection, on est tous d'accord, ça n'existe pas. Je vais parler d'atteindre l'idéal entre vous deux, donc d'atteindre le maximum en fait, que vous pouvez atteindre avec vous deux. Retrouver son équilibre et le travail, en fait, du masculin dans cette relation-là. Et on a ici que ça va demander du temps. Donc, soit que la personne n'est pas prête, en fait, à s'équilibrer, ou ça demande un petit peu plus de temps présentement. On va aller voir la deuxième ligne et c'est celle-ci qui va répondre à votre question d'aujourd'hui. Et la question, je vous rappelle, c'est quoi les intentions de cette personne envers toi? Donc, on va aller voir tout de suite. Oups. Quelles sont les intentions de cette personne envers toi? Donc, maintenant qu'on sait, l'anxiété met du bonheur. OK. Quelles sont les intentions de cette personne envers toi? Quelles sont les intentions de cette personne envers toi? Quelles sont les intentions de cette personne envers toi? La réussite mais un pas à la fois. Donc, on n'est pas dans quelqu'un de très, très impulsif ici. Hein? C'est une personne, en fait, qui avance vraiment un pas à la fois de manière réfléchie. Je vous dirais même à la limite, on sait que cette personne-là est comme ça, mais on est comme, allez, allez, on a envie comme de le pousser dans le dos. <laughs> En même temps, je me dis quelqu'un qui prend une décision puis, puis par la suite en fait il n'y a pas de retour en arrière. Je préfère ça que quelqu'un qui prend une décision beaucoup trop empressée, puis par la suite regrette puis bon il y a retour va-et-vient. Bon, je préfère une décision peut-être mûrement réfléchie même si ça creuse la patience. Je préfère quelque chose de réfléchi qui a pas de retour en arrière par la suite. Non. Mais ça revient une œuvre de denier. Ça sent le lien d'âme. Hein? Choix, euh, choix numéro 3. Moi, je me trompe. Ça sent, ça sent fort, en plus. <laughs> euh, je ne vous dis pas, par contre, que vous êtes tous en lien d'âme. Je ne suis pas en train de confirmer, mais ceux qui se savent, c'est vraiment votre choix. Euh, bref, cette personne a envie que ça fonctionne avec vous au point de vue relationnel. Naturellement, ça peut être aussi une relation amicale ou familiale. On me dit, on va réussir, par contre, à aller chercher notre réussite, chacun de notre côté. Donc, cette personne sait très bien qu'elle a un équilibre à aller rechercher. Sûrement que vous, à par effet miroir, là, je vais parler un petit peu plus plus spécifiquement au lien d'âme, si pour vous ça ne vous parle pas, prenez simplement les phrases qui vous parlent dans le message. Euh, mais on a quelqu'un ici, en fait, qui sait que vous allez avoir également un travail à faire chez vous. Un travail que vous ne pouvez pas accomplir avec lui ou avec elle. C'est un, un travail, en fait, que vous devez mettre en place par vous-même pour atteindre cette, euh, cette réussite, en fait. Cette réussite dans quoi? Bien, dans la complétude. Et par la suite, en fait, on va pouvoir revenir un vers l'autre et ça sera beaucoup plus fort, beaucoup plus, en fait, solide dans le temps. J'ai demandé ses intentions, mais c'est comme si on me dit ce que cette personne espère. Beaucoup plus que... C'est comme si cette personne-là dit, bien, je sais qu'un jour, on va se retrouver. Euh, un jour, on va être ensemble au point de vue relationnel, mais on a présentement des choses à faire, chacun de notre côté, pour aller chercher une réussite. Mais cette partie-là, on ne peut pas la faire ensemble. On doit trouver notre complétude par nous-mêmes, puis par la suite, il y a un retour qui va pouvoir se faire, puis... Cette personne-là, en fait, se dit quand que ce retour-là va se faire, ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus profond comme retour, comme solidité de relation. Donc, comme je vous dis, c'est dur pour moi de dire que c'est ses intentions. J'entends plutôt que c'est des souhaits. C'est ce que cette personne souhaite ou c'est ce qu'elle sait intuitivement. Mais on est loin des intuitions. Mais c'est mon choix numéro 3, ceux et celles qui sont habitués à la chaîne. Je ne sais pas ce qui arrive. Une fois de temps en temps, euh, il dévie. Ça nous répond quand même où cette personne-là en est. Euh... Clarification, en fait, clari... clarification, moi je l'entends plutôt au niveau de vos énergies. Donc, de se clarifier, c'est euh, plutôt s'équilibrer. Puis par la suite, tu pourras avoir un retour, en fait. On va aller vous chercher maintenant euh, des cartes d'oracle. Donc, on va chercher un 8 cartes. Quels sont les... L'ajournement. Ça sent le lien d'âme, encore une fois, on parle des vies antérieures. L'ajournement, c'est comme si on arrive finalement à une finalité après plusieurs vies. Le guide. Ah oh là, mes poulets, là. Si vous ne savez pas un lien d'âme, je ne pense pas que le tirage va vous concerner. Ça vient trop, là. Le guide pendant la lutte. Le guide, c'est l'espoir que cette personne-là a. Pendant son combat, c'est comme si elle se dit, bien, j'ai un combat présentement à traverser. Une fois que ce combat-là va être traversé, je vais pouvoir revenir vers cette personne-là, vers vous, en fait. C'est comme si le guide, en fait, c'est si vous, mais pas dans le sens guide spirituel, mais plutôt vous êtes comme l'espoir, euh, l'espoir, la récompense en bout de ligne, c'est ce qui permet à cette personne-là en fait euh, d'avoir la force et l'énergie pour lutter, traverser, retrouver son équilibre. Retrouver son équilibre, ça a l'air dit comme ça simple, mais c'est pas simple à faire parce qu'il va y avoir un gros travail sur vos blessures qui va devoir être fait pour débuter. Puis tant le travail de l'équilibre, la partie la plus facile, je le dis souvent, c'est de régler les blessures que les, les autres nous ont fait subir. Ça, habituellement, c'est la partie qui va relativement bien. La partie qui est plus difficile, puis habituellement, c'est là que la progression, puis je ne dis pas que personne n'est capable de le faire, au contraire, il y a beaucoup de gens qui réussissent à le faire, mais je vous dis où ça bloque. C'est quand on est rendu à faire face à quelle blessure moi j'ai fait subir aux autres. Et lorsqu'on arrive à cette limite-là, il y a beaucoup de gens qui vont remettre à plus tard cette étape-là ou tout simplement ne voudront pas s'y attarder. On ne peut pas s'équilibrer si on fait juste penser à ce que les autres nous ont fait subir puis qu'on met de côté ce que nous, nous avons fait subir aux autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes des personnes détestables, méchantes, vous auriez fait beaucoup de blessures aux autres, mais c'est très rare. Je vais être honnête avec vous, à date, je n'ai pas rencontré personne qui, dans son parcours de vie, n'aura pas blessé au moins une fois quelqu'un d'autre. OK? Puis que j'ai une fois, là, je suis très, 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 très généreuse. Ça se peut des gens comme ça, mais je vais être honnête avec vous, ils doivent être très, très rares. Moi, je n'ai jamais rencontré personne. L'ajournement. Donc, on va aller voir où on arrive à la participation. Bon, ça en vient, mais pas tout de suite. Hein. Je pense qu'il y a un petit travail à faire. Sur les vies antérieures, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? L'isolation. Si vous êtes en lien d'âme, surtout dans un certain lien d'âme, euh, ben, c'est sûr qu'on se fait isoler hein, parce que les gens qui ne le vivent pas ne le croient pas. C'est aussi simple que ça. Euh, ben, humblement, là, je vais être super humble présentement. Je pense pas que si je serais dans ce lien-là, j'aurais de la facilité à le croire non plus. Euh, parce que même quand j'ai fait mon éveil, je vais être honnête avec vous, euh, ça m'a pris du temps de me dire, ben, c'est vraiment ça. Euh, Puis pourtant, je tire des cartes de plage à 14 ans, je me baigne dans ce monde-là. Et encore là, ben, euh, je, trouvais, euh, je trouvais ça un petit peu euh, très gros à intégrer à plutôt à accepter dans ma vie. Euh, donc euh, oui, on est souvent isolé dans ce type de lien là. Moi, avec les vies antérieures, je vois plutôt le lien d'âme et je vais être encore plus euh, spécifique. Je vois un lien de flamme jumelle en fait. Euh, donc ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle moins, ça vous parle moins. L'important, c'est je respecte votre opinion et respecter également la mienne et celle de d'autres personnes. Je pense qu'on vivrait dans un monde mieux en fait. Le guide. de cartes. La patience. Ah ben oui, ça demande la patience. Hein. Ce lien-là, c'est incroyable. La lutte, euh, la lutte, mais pour atteindre quoi Pour atteindre le monde. Et euh, on parle présentement période de silence entre vous deux. La communication, est-ce qu'elle peut être là Elle peut être là quand même. La communication, par contre, euh, avec la carte du silence, je, je vous dirais qu'elle est très euh, très rare. Désolé, il fait chaud. Euh, J'ai un ventilateur, mais j'aime quelque peu chaud, donc euh, je baille parce que, ben, ça commence à être amortissant. Je pense que je vais me prendre un petit café après cette guidance-là. Euh, donc, on a quand même une période de silence, c'est pas évident. C'est quelque chose quand même qui est lourd à porter. Mais parfois, on a besoin de cette période de silence-là entre deux personnes. Ce que je disais, c'est que le silence peut être complet, ou le silence peut être tout simplement on, on, parle, on a juste des conversations de surface. Donc, on ne t'en lance pas nécessairement, mais on ne va pas dans nos sujets en profondeur. c'est pas le temps. Je pense par contre que tout est, à, est en branle présentement et je pense que toutes les choses se mettent en place présentement aussi également. OK. On va aller chercher une dernière carte pour vous et ça va être une carte de l'oracle luminologie et on va chercher une carte conseil en fait. Ça fait deux fois j'ai cette carte-là aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, euh, garde ta vision, euh, reste sur tes positions, euh, regarde l'objectif, ton but à atteindre et vas-y. Fais tout simplement continuer à le fixer et ne dévie pas de ta route, en fait. Donc, garde ta vision. On va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, vous avez pensé à une personne hein, pour débuter le tirage. Donc, vous pouvez retrouver son signe, votre signe, votre ascendant, son ascendant. Et on va. Les premières lettres de vos prénoms et de noms de famille, naturellement. On commence aujourd'hui avec les béliers. On a le balance deux fois. Cancer, lion. Vierge, Verseau, Sagittaire. Sagittaire deux fois. Verseau, Vierge deux fois, Bélier une deuxième fois et finalement Vierge pour la troisième fois. Pour les lettres aujourd'hui, nous avons le B Y F E Z Y deux fois, F deux fois, D I O et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin à la choix numéro 3 pour aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment d'intention, mais il y a beaucoup d'espoir, en fait. Donc, on a une vision. Je pense que vous avez la même vision commune, en fait. C'est pour ça qu'on ne parle pas nécessairement des intentions de l'autre. Je pense que vous avez la même vision que cette personne-là. Ce n'est pas le cas bien... Écoutez, cette personne-là, elle a cette vision-là, mais moi, je la sens des deux côtés. Donc, c'est comme si on me dit, vous avez la même vision, le même but à atteindre. Présentement, vous êtes les deux à travailler chacun de votre côté sur ce but à atteindre. Ça peut sembler euh, bizarre, en fait, de se dire... Euh, on travaille les deux chacun de notre côté pour une vision en commun. Mais c'est ça la beau... merveilleuse de ce parcours. Hein? Donc, ben, c'est ce que vous faites présentement. Vous travaillez chacun de votre côté dans le même but à atteindre. C'est pour ça qu'on ne voit pas les intentions parce que je pense que ce sont les mêmes d'un côté et de l'autre que vous vivez. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, ma compagnie. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Prenez grand soin de vous surtout et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.